Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser un atelier en ligne. Des indications supplémentaires apparaissent au survol de la souris sur le marque-page. Ici, nous avons l'indication des couleurs vert, mauve ou rouge. Ces couleurs matérialisent la justesse des éléments. Le survol du point d'interrogation au niveau de l'échéance apporte une information supplémentaire. À partir du délai de règlement indiqué dans la facture, nous déterminons la date d'échéance que nous sélectionnons dans la liste des dates. Le 5 novembre s'affiche en vert, la date est correcte. Le deuxième point d'interrogation rappelle le principe comptable de la partie double et des flux. Le dernier point d'interrogation donne des précisions sur la codification utilisée D, C, NC ou DNet. Nous procédons à la résolution de l'exercice. Nous achetons des fleurs coupées avec une remise de 5%. Par conséquent, il faut enregistrer le net commercial. Donc les deux premières valeurs ne seront pas comptabilisées telles quelles et nous enregistrons le net commercial en sélectionnant DNet, c'est-à-dire montant remise déduite. Nous sélectionnons les comptes dans la liste. Donc les deux premières lignes n'ont pas d'affectation comptable, mais la troisième, le net commercial, doit être enregistré dans le compte achat de fleurs coupées. Nous vérifions la justesse du choix. Et nous poursuivons l'affectation comptable. En bas de l'écran, nous trouvons trois boutons. Le premier permet de réinitialiser les contrôles sans effacer les données saisies. La corbeille, quant à elle, efface toutes les données saisies et contrôlées. Et enfin, il est possible d'imprimer la page en PDF ou sur imprimante. En cliquant sur le bouton « Rafraîchir », nous pouvons tester à nouveau les vérifications. En sélectionnant la corbeille, toutes les informations de la page s'effacent. Le dernier bouton est un raccourci bien pratique pour imprimer les informations contenues dans la page, que ce soit par imprimante ou par imprimante en PDF.